Salut les petits chéris. Alors voilà, je fais mon premier spar en multi sur Tori Bash Next, donc j'ai pas pu m'empêcher de l'enregistrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. On commence à avoir des modes bien sympas qui ressemblent au spar sur Tori Bash. Bon, la physique n'est toujours pas la même, hein, bien sûr, elle est vachement plus agréable en fait sur le Tori Bash Next que sur le Tori Bash original. On a vraiment l'impression de jouer avec quelque chose de réel finalement. La réaction du Tori, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus instinctif en fait. Le feeling est vraiment meilleur. Alors, vous pouvez voir ici qu'on fait un petit sparring. Bon, on est que deux. Normalement, Shazer devait nous rejoindre, mais il est pris ailleurs. Vous pouvez voir le petit bonhomme là sur le côté à droite. En fait, c'est la caméra de l'autre joueur. On peut voir en fait la caméra où se trouve la caméra de chaque joueur. Bon, les décors sont vraiment pas mal, on peut voir aussi que ça modifie le sol, même s'il y a quelques bugs graphiques. On peut voir au-dessus de mon personnage qu'il y a un triangle qui passe en forme de V une fois qu'on a appuyé sur espace, ce qui permet de savoir exactement quand l'autre joueur a appuyé sur espace. Bon, je sais pas si c'est réellement utile, mais ça existe. On peut voir la personne avec laquelle je joue là. Bon, c'est un inconnu, c'est un random, hein. Je le connaissais pas avant d'avoir lancé cette partie là, il était juste. Dans la bêta de Tori Bash Next, il me fallait quelqu'un. On peut voir qu'il essaye de faire un saut. Et comme je vous ai dit, ben, on prend pas trop de risques, étant donné qu'on connaît pas trop la physique. On découvre encore, donc personnellement, moi j'ai pas pris le risque de faire des bonds et d'essayer des coups de pied sautés. Hein. Après, déjà de base, c'est pas vraiment comme ça que je joue. Je suis très dans les coups de poing. Mais, donc là, c'est encore pire, quoi. Par défaut, les frames du sparring actuel se passent par deux, puisque c'est doublé en fait par rapport au Tori Bash, donc c'est comme si on passait 5 frames d'un coup, ce qui permet de faire des mouvements plus précis. En fait, là, on est carrément dans une configuration de masse, c'est-à-dire en masse, en général, on passe les frames par 5, ce qui est pas mal, hein, c'est un parti pris. Bon, on peut voir également qu'en parti pris au niveau visuel, Tori Bash maintenant part clairement sur le côté asiatique. Il y a sûrement d'autres décors qui vont sortir après, hein, qui seront peut-être des décors futuristes ou n'importe quoi d'autre. Bah, je vous laisse apprécier le replay. Et à la prochaine, et pour la prochaine, bah, j'espère sincèrement pouvoir faire un replay à 3 ou à 4. Là, ce serait vraiment le feu. Et si possible, avec des armes. Au revoir, les petits chéris. Moi je suis l'empereur de pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus, pouce bleu.